gens, j'espère que vous allez bien, c'est Slipone. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo sur The Crew 2 pour vous montrer comment avoir le double followers. Donc la vidéo précédente pour le double tuto, pour le double intro, je vous ai dit que j'allais faire une vidéo comment avoir le double followers. Surtout pour les gens qui commencent à jouer à The Crew 2, qui commencent le jeu, qui est très complet, soit d'ailleurs être niveau star, être ensuite célèbre, ensuite être icône 1. Mais malheureusement, ouais, pour eux c'est un peu plus compliqué. Mais là, il y a beaucoup plus d'astuces, il y a beaucoup plus de techniques pour gagner beaucoup plus vite des icônes, des niveaux, je veux dire. Donc du coup, cette vidéo est faite pour les gens qui débutent sur The Crew 2, et aussi pour les gens qui veulent vraiment farmer des followers, atteindre le niveau 9999, qui est franchement très 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 loin de là. Je suis icône encore 1344. Donc moi, icône, je farme pas trop, moi c'est plus les bucks que je farme en ce moment. Donc voilà. Donc cette vidéo, je la fais avec ce véhicule, la Mercedes CLS AMG, modèle C197, marque allemande. Donc voilà, je vais vous montrer les pièces que j'ai. Donc je vais vous dire dans cette vidéo en détail, hein, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, en détail comment avoir le double followers et comment avoir comment augmenter le niveau d'icône. Et il faut surtout pas oublier que avec les double followers, on peut gagner aussi de l'argent. Ça augmente aussi le niveau de récompense dans les courses. Aussi, ça j'avais oublié de vous le dire. Il n'y a pas que les niveaux d'icônes qui peuvent monter, niveau followers, il y a aussi les bucks. Donc là, je vais vous expliquer en détail sur la vidéo. Et c'est comme le double intro, il faut en poser des 7. Malheureusement, c'est comme ça. L'astuce pour avoir beaucoup de followers, pour gagner beaucoup de followers. Donc c'est parti. Donc alors pour la pièce. Donc comme on voit bonus d'ensemble, on voit aimant à notoriété. Donc c'est marqué multiplie les followers gagnés par 2. D'accord? Ça multiplie les followers par 2. Donc pour cela, il faut avoir riche 3%. Vous voyez amplitude entre parenthèses 1% c'est le minimum et 3% c'est le maximum. Et ensuite vous voyez populaire. Augmente de 5,5% de votre gain de followers, 2% minimum et maximum 6%. Donc moi honnêtement je suis déjà 1344 et en plus moi j'ai d'autres courses encore plus meilleures que pour avoir de l'argent et pour avoir des icônes. Bon là je vous explique dans la catégorie Street Race, hein, les gens qui aiment Street Race, ils n'ont pas encore des hypercars ou ils n'ont pas encore... le temps de bien jouer ou ils ont personne pour jouer, donc ça c'est pas mal, ça peut être plus rentable que hypercar, mais il faut pas mal farmer du tout, faut vraiment farmer si vous voulez avoir en hypercar en street race. Ensuite deuxième pièce, donc là je sais pas pourquoi j'avais pur, je sais pas, j'ai recalibré dans pur, donc c'est pas l'importance, l'important c'est d'avoir riche et populaire. Riche populaire, donc il faut avoir à 3% et 6%. Donc au total, je vais vous montrer les pièces que j'ai. Donc là, 6, 3. Ensuite là, moteur 2,3 et 5,1. Ensuite, échappement, on a du 5,1 et 3% pour riche. Ensuite, là, on a du 2,7, 4,6. Donc je peux bien recalibrer, hein, mais j'ai plus aucune importance puisque malheureusement, maintenant, moi, j'ai 2-3 astuces pour gagner beaucoup plus d'argent en hypercar. Mais cette vidéo elle est faite que pour un stress, le catégorie stress. Je ferai surtout les vidéos aussi hypercar pour vous montrer comment on fait pour avoir le double intro en hypercar, etc. Le double point, le double followers en hypercar, c'est très important. Je vous montrerai ça en vidéo, prochaine vidéo qui va venir bientôt. Bref, donc on va faire une course pour vous montrer comment ça fonctionne le double followers. Et aussi dans pilote. Je vais vous montrer quelque chose qu'il y a des gens, ça se trouve, il y a des gens qui connaissent pas du tout, qu'avec les points d'icône on peut gagner, en fait on peut augmenter le gain de followers. Donc en fait vous faites maintenir pour réinitialiser la page. Ensuite là il y a un nouveau, après la mise à jour, vous pouvez dépenser maintenant 5 points. Alléluia. Heureusement parce que là c'était franchement franchement à force de spammer la touche croix. À un moment, on allait péter notre manette, quoi, parce qu'on avait pété la touche croix. Donc, vous voyez, là, on a plus juste 5, 5, 5, 5. Et du coup, là, ça se remplit, vous voyez. Donc, là, on va faire juste 100 points d'icône. Enfin, on va pas faire avec les points d'icône. Je vais faire deux fois la course. Donc, la course, je vais vous conseiller les courses aussi pour farmer. C'est très, très sympa aussi, les courses. C'est avec ces courses-là qu'on peut avoir le double followers. Et aussi, une ultra astuce aussi. Ultra, c'est-à-dire
Quand je veux dire ultra, c'est franchement, les gens, je sais pas s'ils pensent que c'est ça, mais je vous conseille de faire aussi. Attendez, point d'icône, véhicule. Donc il y a le strip sud qui est pas mal aussi. Voilà les courses que je vous conseille. Il y a le strip sud qui est pas mal, puisque vous gagnez 2520. Et si vous avez le double followers, vous gagnez dans les 3500 ou 4000 followers. Donc, je pense que c'est pas mal pour les icônes 10 ou 20. Et ensuite, la prochaine course que je vous laisse farmer aussi, c'est celle-ci. Centre-ville L Sud. Qui est franchement pas mal aussi. Le record mondial, il est en 1 minute 23. Vous faites la course. Et je vous promets que là mon ami Dwight, il a fait 1 minute 28. Donc, vous prenez une moto. Il y a des petits raccourcis aussi, je vous montrerai sur cette course-là les raccourcis qu'il faut dans chaque course. Dans chaque pardon, il y a des raccourcis. Donc ensuite la prochaine course qui est pas mal aussi pour farmer les followers, il y a là celui-là, la course Harley Davidson. Les gens connaissent sûrement cette course-là, parce qu'en fait vous gagnez 12 600. Mais moi avec les doubles followers, je crois, imagine, vous gagnez 14 500 ou 15 000 même. Et moi, si je mets tous mes points d'icône sur augmentation des followers dans le point d'icône, les 446 points, je gagne aux alentours dans les 75 000, 80 000 de followers environ. Ouais. Donc franchement, c'est pas mal. Ensuite, il y a la course Accident qui est franchement pas mal aussi, 2940 followers. Et en faisant cette course-là, vous pouvez la faire, on peut enchaîner plusieurs fois, on peut gagner environ dans les 5000, 6000 followers avec cette course-là. Donc c'est franchement rentable hein, mais bon, faut vraiment farmer. Quand je vous dis de farmer, faut vraiment farmer et pas la faire une fois, deux fois. Ensuite, la prochaine course que je vous conseille qui est pas mal aussi, attendez, je la cherche, elle est là, Port Miami. Cette course, elle est géniale. C'est pareil, mais c'est juste qu'il y a trois tours à faire, mais franchement elle est pas mal du tout. 2940 followers avec les points followers que vous avez, les 7 loot. Vous pouvez gagner dans les alentours de 6 500 followers de 7 000. C'est franchement pas mal en 3 tours hein. C'est genre, moi je la fais combien de temps? Je la fais en 2014. Donc en 2014, 2014, 14 secondes, on va arrondir, on fait 2 minutes la course, on la fait en 2 minutes. Bah, le record mondial c'est en 2 minutes. Si j'imaginais en 10 minutes, vous pouvez faire environ au moins 50 000 followers en 10 minutes. Donc enchaîner la course pendant 2 fois 10. Ça fait 20, donc si vous faites ça en 20 minutes, vous pouvez faire 40 000 de followers normal. 40 000. Mais là, je vous parle sans le double followers. Hein. Peut-être en 20 minutes, vous pouvez gagner dans les 100 000 followers. Donc, franchement, essayez cette course, elle est pas mal du tout. Ensuite, ah oui, il y a cette course-là aussi, au milieu de nulle part. Elle est franchement pas mal aussi. Elle est très très rentable niveau followers aussi. C'est pas franchement pas mal. Le record mondial, il est à 1 minute 46. Mais la course elle va peut durer dans les alentours de 2 minutes 15. Ou bon, là j'ai pas fait mon record max, je vais taper encore mon record. Donc voilà, ce sont pas mal des courses qui peuvent être rentables, très très rentables aussi. Et l'astuce que je voulais vous dire, il y a deux astuces hein, dans cette vidéo, c'est que vous pouvez faire cette course aussi qui vous rapporte aussi pas mal de followers. Donc moi je gagne 25 à 30 000 followers avec cette course là, les clés de la ville. Donc à la fin, ceux qui commencent le jeu, en fait, cette course-là, c'est le boss, entre guillemets. Et vous gagnez, vous remportez, si vous remportez la course, vous remportez une McLaren P1. Et vous remportez 44 000 bucks aussi, en extrême, bien sûr. Donc mon chrono, c'est... Ah bah, je suis premier. Ok, d'accord. Je suis le premier, j'ai fait 4 minutes 55 ouais, dans cette course-là. Et je suis millième mondial aussi, je savais pas que j'étais premier. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, la dernière astuce que je voulais vous donner, c'est franchement pas mal aussi pour être franchement pour gagner des followers. Là, je vous dis en tout cas de faire cette astuce-là. Elle est franchement pas mal du tout. Attendez, ça charge. Par contre, après la mise à jour, je sais pas si vous avez remarqué. Entre parenthèses, on va juste faire un petit point dessus. Le chargement, il est beaucoup plus long que avant la mage en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, puisque moi là, depuis tout à l'heure. J'ai remarqué ça quand on faisait les courses avec les amis et les abonnés. Donc, dernière astuce pour avoir des followers aussi. Vous gagnez pas mal de temps avec. Donc, voici l'astuce. Donc, l'astuce en fait, ici, c'est que regardez, là il y a bronze, argent, or et platine, d'accord? Mais ceux qui commencent le jeu peuvent atteindre le bronze, mais normal. Vous pouvez atteindre le bronze normal, normalement. C'est très simple.
Regardez, là j'ai des amis qui sont bronze. Ça, ce sont des abonnés. Ce sont aussi mes amis. Qui n'ont pas pu faire le summit. Qui n'arrivent pas. Ou voilà, qui sont bloqués. Ou ils ont fait leur max. Mais avec le niveau bronze. Regardez la récompense bronze. Vous gagnez 400 000 followers. Franchement, qui est franchement pas mal du tout. Avec ça, je vous dis tous les mercredis. Il y a la, ça change, la mise à jour SP, c'est-à-dire le live summit change. Et du coup, chaque mercredi, vous allez voir le live summit, vous allez collecter les récompenses et vous gagnez 400 000 followers. C'est franchement pas mal du tout. Je trouve que c'est la meilleure astuce, c'est-à-dire la meilleure façon de monter hyper vite les icônes, mais il faut attendre une semaine. C'est tous les une semaine. Après, ça dépend, hein, c'est pas tous les jours. Des fois, ça change aussi. Donc là, ça change pas, c'est toujours followers. Mais franchement, c'est pas mal du tout. 400 000 followers, vous pouvez monter environ une soixante-dizaine, quatre-vingtaine de même 100 niveaux d'un coup. Si vous êtes icône 10 ou icône 1, vous montez très très vite. Donc je vous en plus, c'est des activités franchement pas mal. Et les trois activités, vous pouvez faire avec les véhicules que vous souhaitez. Et ensuite, les six autres activités, c'est les véhicules. Ils vous prêtent les véhicules en plus, ils sont très sympas. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack carrément, vous pouvez économiser les bucks. Et ils vont vous prêter les véhicules, bon, par exemple la TVR, la Lotus, Aston Martin. Et voilà, ils vont prêter les véhicules, vous tapez un bon chrono et vous gagnez au moins 20 000, 30 000 points. Mais on s'en fout du point, on s'en fout du chrono tant que vous gagnez des points, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, regardez, là, mon ami, là, il a fait 61 000 et il est bronze. Donc dans tous les cas, même si il aura pas, malheureusement, je comprends, hein, malheureusement, il aura pas la TVR. Griffith Performance Edition, il n'aura pas cette voiture là, mais en retour il aura les followers. Donc avec ça, il pourra augmenter les points d'icône, et là il pourra augmenter les followers. Je sais pas si vous me comprenez un peu la technique que je fais moi chaque summit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, cette petite vidéo double followers explication. Après, je peux vous donner ça. Bah, après, ouais, y a que ça comme astuce. Donc, malheureusement, si je trouve encore des astuces, je vous tiendrai au courant pour une prochaine vidéo. Donc, voici les pièces qu'il vous faut. Donc, je vous remets un peu les pièces. Voilà, double followers. Entre guillemets, c'est l'aimant. Il faut avoir 7 pareil pour posséder le double followers. Donc, je vous tiendrai au courant s'il y a une nouvelle astuce qui arrive pour les double followers. Sur ce, je vous laisse, c'était Slipone. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, partager et à vous abonner. Et surtout, en vous abonnant, activez la cloche de notification. C'est très important pour rater aucun live et aucune vidéo. Je vous laisse, c'était Slipone. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.